Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus? On se retrouve sur Pro 5 Manager 2013, et oui, ça faisait longtemps. Dans le mode de carrière, avec mon équipe et team Arkham Pro, mon sponsor, Aeroflot, toujours. Et en tout cas, bienvenue pour cette deuxième saison, en tout cas, ça fait plaisir, hein, ça faisait bon, une quinzaine de jours que j'avais pas joué, que j'avais pas proposé de vidéo de PCM. J'ai fait une petite pause là, comme on était à la fin de la saison, de la première saison, donc ça méritait une petite pause. Et maintenant, nous en sommes enfin sur cette deuxième année. Comme vous le voyez dans le calendrier, j'en suis au 2 mars. Mais là, il n'y aura pas de course. Aujourd'hui, il n'y aura pas de course, non. Il y aura simplement 5 thèmes, enfin 5. On va dire 3 thèmes. Je vais vous présenter mon équipe, bien sûr. Ensuite, les objectifs sponsors. Et enfin, bah, les 3 grands tours. Je vais vous montrer, comme vous savez, il y a des variantes. Donc du coup, ce ne seront pas du tout les mêmes grands tours que la saison précédente. Donc voilà comment ça va se passer. Et bien en tout cas, bon, on va commencer tout de suite par par mon équipe, hein. Donc on va commencer par les plus faibles. Christiane Zviagin, donc là c'est une jeune recrue. Là il y a, enfin oui, donc mes quatre premiers coureurs sont des jeunes recrues, hein. Zviagin, Otero, Winheim et PZ. Vous savez qu'il y a Dodds aussi qui est là, et bien sûr Lemmler. Voilà, Lemmler, ouais, déjà lui, il est déjà à 74 de moyenne, mine de rien. Avec des notes à plus de 70 partout. Très très bon, un futur très très grand, j'en suis sûr. Même si là, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup de saisons. En tout cas, filmer, peut-être que je continuerai moi à jouer après, on verra bien. Mais à filmer, je ne pense pas qu'il y aura le temps, car le prochain PC, mine de rien, sort dans 6 mois maintenant, quand même. Un peu plus de 6 mois, mais 6 mois et demi, on va dire. Donc voilà, 6 mois et demi, une saison. Bon, il y aura peut-être une troisième saison, ah, je pense même pas, non, ça va être trop juste, qu'une vidéo par semaine. Bref, on s'en fout, allez. Donc voilà, donc. Voilà, Tcherneski, la Goutine, Ulstat. Oui, Ulstat, parce que j'avais oublié, voilà, mon sprinter à 75, le sprint 112 accélération, c'est assez faible par contre, mais bon, c'est pas grave. Puis voilà, donc. Alors en montagne, nous avons qui? Donc Bettencourt, bien sûr. Que j'ai recruté pour cette saison à 80, Majka Rodriguez à 78, Taramaik Kreuziger à 77, Trofimov, Spilak Kangert à 76, et enfin Pozdin, bien, il est bien monté Pozdin, hein, Kizalowski et Menchov à 75. A savoir que moi je fais sûrement des stages et tout, donc ces notes là sont pas très représentatives, car moi je fais souvent des stages, voilà. Ensuite, Vallon. Bien sûr, Joaquim Rodriguez 81, Carlos Bettencourt 479, Kreuziger Kizalowski 78, Spilak, Galopin, Moser et Kolobniev à 77. A savoir que Galopin a déjà fait un très bon début de saison car il a gagné la Ruta del Sol, si c'est ça qu'il a gagné. Si ça, c'est la Ruta del Sol, voilà, il a gagné la Ruta del Sol, donc avec 2 victoires d'étape. Donc un très bon début de saison pour lui. Hein. 23 jours de course, déjà un tour gagné pour lui. Voilà, donc ça va. Ensuite, bon, il y a 76, bon, je vais pas non plus tout dire à chaque fois. Contre la montre, donc là j'ai Zakarin qui est toujours aussi bon, à 77 maintenant le contre la montre, hein, excellent. Kangert, Kiatowski, Velitz. Alors il y avait aussi Galopin. Il y a Dodds là qui sera peut-être un futur bon en contre la montre, on verra bien. En prologue, on s'en fout. Les pavés, alors les pavés, voilà, j'ai Stibar et Christophe à 78, Galopin, Lemmler à 75, donc voilà, ce seront mes 4 coureurs pour les classiques. À savoir, bien sûr, bah voilà, ce sera quand même Christophe, j'espère faire peut-être un stage avant, comme j'avais fait l'année dernière, où du coup Christophe était monté à 80, je crois, de pavés. Donc voilà. En tout cas, Lemmler, je pense qu'il va m'être super utile avec 75, même Dodds, hein, 71, très très bon. En sprint, bah Christophe, hein, qui est monté à 80 mètres en sprint. Et après, il y a gros écart quand même. Après, voilà. Le Prochet à 76. Voilà, Krupi, Sabakov, Lemmler 75 de sprint. Ulstat 75 aussi. Alors, Lemmler, ce qui est intéressant avec 75 de sprint, c'est que il a 70 en montagne quand même. Donc, il passe très très bien les boss. 72 en vallon, ce qui est pas mal. Mais 72, 70 en montagne, c'est vraiment excellent. 73 contre la montre aussi. Ce qui veut dire que. Ben, c'est coureur complet, c'est coureur qui peut sur une étape de sprint être bien placé et après contre la montre faire quelque chose, donc
Ou alors c'est une étape de montagne, ouais. Comme pour le maillot vert, par exemple, maillot vert pour lui, ça serait excellent quoi. Pour gagner un maillot vert sur un grand tour, enfin maillot vert, maillot de meilleur sprinter entre guillemets, ou classement par points plutôt, Lemmler c'est vraiment le candidat parfait. Voilà. Ensuite, bah, ça on s'en fiche après le reste. Enfin, après, bon. Il a des superbes notes aussi, 75 en endurance, quoi. C'est l'un des meilleurs en endurance. Bah, c'est le troisième en endurance, voilà. C'est extraordinaire. 73 en résistance. Bah, voyez, même 73 en résistance, il fait partie encore des meilleurs. Et en récupération, par contre, un petit peu moins bon, 72, mais bon, vous voyez, il fait quand même partie du top 10 des meilleurs coureurs. Sinon, bah, la forme de. Les entraînements, donc là, comme vous voyez là, par rapport à l'âge, 36 en Menchoff, 34 pour Joachim. Il n'a pas couru. Joachim n'a pas, beaucoup de coureurs n'ont pas couru pour l'instant, vous voyez. Christophe, Maïchka, Bettencourt, Moser, Trofimov, Rodriguez. Voilà. Rodriguez qui n'est pas du tout en forme là. On va aller voir ça tout de suite rapidement. Voilà, début de saison, lui, il démarrera à partir de, on va dire, mars-avril quoi pour les classiques. Et puis je ne sais pas trop là pour l'organisation des grands tours, je ne sais pas, j'en parlerai tout à l'heure quand on fera le quand je vous montrerai justement en quoi correspondent ces grands tours. On peut aller voir vite fait tiens, l'évolution des autres coureurs pour voir quand même que Chris Froome a 84 en montagne, Quintana 81, Richie Porte 80, Nibali, Betancourt 80 aussi, Uran, Sanchez, Cadel Evans. Voilà, bon, Rodriguez 118, donc il est dans la moyenne des autres, hein, de Contador, de. Voilà. Mais 84 pour Froome, 79 contre la montre. Ça va être très très compliqué à déloger. Hein. Chris Froome là, waouh, 84. Je ne sais pas du tout comment on va faire pour le battre, mais bon, on verra bien. Cancellara, bah lui aussi, hein, 81, voilà, 81, 79 contre la montre, il perd un peu là, il est un petit peu, bon, il est plutôt jeune non plus, hein, forcément. En sprint, Cavendish, Kittel, Christophe, Greipel, Theo Boss, un peu 80. En pavé, il n'y en a plus que 3. Cancellara, Van Marck et Buttenbonen, ça c'est contre la montre, bah donc 83 pour Tony Martin, Taylor Fenech, Bradley Wiggins à 80. Ont très peu coureurs encore à plus de 80. Guérance, Chagan et Rodriguez pour le vallon. Et donc pour la montagne, bah voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc vous voyez là, ça va être assez tendu. Voilà, il y a quand même quelques-uns qui se démarquent, hein, comme là, 84, il a 3 points de plus que Quintana et 6 que Rodriguez par exemple. Alors certes, moi je vais faire un stage, peut-être même deux stages, un de préparation et un de reconnaissance. Donc je pense que je vais monter à 80, j'aurai des bonnes formes sur le tour, normalement. Mais bon, quand même, 84, ça va être très très compliqué. Hein. Et on va aller voir qu'est-ce que lui espère faire cette année. Septième Tour d'Oman. Le Tour de France, voilà. Et lui, bon, normalement, il sera sur le Tour de France. Ok. Il n'a pas de contrat pour l'année prochaine, ok. Non, moi, je vais pas le recruter, hein. Puis on s'en fout un peu. Voilà. Bah écoutez, ça c'était la présentation de l'équipe. En tout cas, vous avez vu comme toujours une belle équipe, hein, assez complète. Hein, voilà, qui complète. Faut dire, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Complète, voilà. Avec un leader absolu, Kreuziger, Christophe et Joachim Rodriguez, bien sûr. Pas mal de jeunes talents, hein, voilà. Mes petits jeunes là, Lemmler n'est même plus en jeune talent. Lui, il est carrément en équipier de luxe. Hein. Ce qui est assez énorme pour un jeune, 20 ans seulement. Vous voyez, il y a quand même pas mal qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine, mais bon, je les fais pas signer pour l'instant, car de 1, je m'en fous un peu. Et puis de 2, c'est vrai que je pense pas qu'il y aura troisième saison, donc du coup, ça m'intéresse moins, et je verrai bien quand on arrivera au mois de. C'est juin ou juillet, je sais plus, pour les contrats, c'est juin, je crois. Je verrai bien, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport au calendrier réel. Et selon si j'envisage une troisième saison ou pas, bah je les ferai re-signer, il n'y aura pas de problème quoi. Voilà. Bah écoutez, bah, maintenant on va passer tout de suite aux objectifs des sponsors. C'est parti. Alors, les objectifs. On va faire par ordre d'importance.
On va faire d'en bas, allez. Top 3 du Tyranno de Ratico. Pourquoi pas. Top 5 de Flesh Wallon. Top 3 de Parinis. Parinis qui commence là. Top 3 aussi du Tour des Pays Basques. Top 3 du Catalan de Dauphiné. Gagner le Tour de Suisse. L'Obstacle Race. Top 5 sur le Giro. Ça c'est largement jouable, hein, top 5. Top 5 sur le Tour de Lombardie. Top 3 sur la Volta. Normalement ça devrait être largement jouable. Tour des Flandres, top 10. Gagner le Liège-Bastogne-Liège. Top 3 sur Paris-Roubaix, c'est jouable, normalement. Vainqueur sur Milan-San Remo et top 5 sur Tour de France. Donc là, pour les 3 grands tours, pour une fois, ils ne me demandent pas grand-chose. Top 5, top 3, et le Giro, top 5. Donc 2 top 5 et un top 3. On peut dire que là, franchement, ils ont été sympas. Oui, parce qu'ils ne m'ont pas demandé de gagner, de faire des trucs comme ça. Donc, ça peut se faire tout ça. Par date, Paris-Nice, Trainer de Retour. Alors, top 3 pour les deux courses qui se jouent là. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Donc, bon, Tyranno, je m'en fiche un petit peu. Mais bon. Enfin, voilà, en tout cas, là, les objectifs. Donc, pour moi, ils sont tout à fait honnêtes. Comme je l'ai dit, hein, faire top 3, enfin, top 5, globalement, top 5 sur les grands tours, c'est largement jouable avec l'équipe que j'ai. Surtout qu'il y aura des stages et tout, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Alors ensuite, là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais d'abord vous présenter les 3 grands tours. Je vais vous présenter les 3 grands tours. Excusez-moi. Je m'embrouille un petit peu dans ma tête. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oncle Giro, bien entendu. Commencer par un contre-la-montre de 42 km. Qui finit légèrement en descente. Une étape de plat, enfin plat vallonné pour moi, mais bon, pour y casser ça en plat. Là encore un plat sprint qui finit en légère côte, donc attention. Du vallon, 177 km. C'est pas énorme, mais bon. Encore du plat après. Encore du plat. Et enfin la 7ème étape. Un col, une étape de montagne. 8ème étape du plat. Elle ressemble à la... celle-là. Ouais. Bref, 9ème étape, donc du bon vallon, là, c'est pour Roque Rodriguez, enfin, Cillier ou Bettencourt, excellent. Encore du plat. Une petite étape de vallon, encore une fois, qui finit en descente en plus. Là, c'est une étape de montagne, parce qu'il y a un gros col ici, mais sinon, c'est pas très compliqué, c'est très loin d'arriver, donc du coup, ouais, bof bof. 13ème étape, là, c'est un petit peu, ouais. 13ème étape, encore une fois, bon, là, il y a quand même deux cols, donc intéressant. Même si celui-là est un petit peu trop loin, après une longue descente, et après on remonte. Là, du vallon, ça c'est sympa, j'aime bien ce genre d'étape, moi ça finit sans côte. Bon, y a le final est en descente, mais bon, va falloir forcer ici, là, dans cette côte-là. 15ème étape du plat qui finit en petite côte, quoi, donc pour les sprinteurs ça va être assez compliqué. Le contre-la-montre en montagne, de 18 km. Là, il y a hors catégorie, mais qui est en début d'étape, donc c'est un petit peu chiant. Ça fera des points, voilà, pour partir en échappée, par contre, ça fera des points. Et qui finit dans une petite montée qui est pas énorme non plus. Hein. Voilà. Celle-ci, des beaux cols. Sur celui-là, dès le départ de l'étape, donc il va falloir bien être placé dans le peloton. Et puis deux cols pour ma catégorie, mais ça finit en descente avec une très longue descente. Bon, c'est pas terrible, terrible ça. La 10ème étape, bah, c'est un contre-la-montre de 35 km. La 20ème étape, ouais, bof, c'est pas non plus génial, génial. Hein. Encore une fois, il y a un beau col, mais après, vous voyez, c'est du vallon. Ça finit en descente, avec l'arrivée en côte. Ouais. Il n'est pas terrible, terrible ce Giro, honnêtement. Je vais remonter les étapes rapidement. Il n'est pas super dur. Enfin, il y a une arrivée au sommet. Deux. Ouais, trois. Ouais, il y a trois arrivées au sommet, quoi. C'est pas génial, génial, quand même. Hein. Bref, c'était le Giro, donc. Ensuite, donc le Tour de France. Déjà, ça commence pas mal, voilà, avec Fréjus-Marseille. Belle étape de vallon, encore une fois, qui est classé en plat, alors qu'il y a quand même 6 côtes répertoriées, mais bon, pourquoi pas. Contrairement de 29 km déjà après. Légèrement vallonné, donc c'est pas plus, pas, ça peut être pas mal. Alors, une arrivée en côte. Ok, dès la 3ème étape, là par contre, ça va faire le mouvement en tout. Donc là, ouais, dès la 3ème étape, il y aura un vrai classement. Intéressant.
4ème étape du sprint. 5ème étape, ouf, jeu d'attaque que j'adore. Montpellier-Mende. Là, pour Joachim, s'il est sur le tour encore une fois, on verra bien. Je ne sais pas qui je mettrai encore pour l'instant. 6ème étape, encore du vallon. Classé en plat, ça me fait chier parce que du coup, le comportement des coureurs ne sera pas le même, donc c'est un petit peu chiant. 7ème étape, un contre la montre de 58 km, lui qui est bien vallonné, même s'il finit en descente. Ou en faux plat descendant en tout cas. 8ème étape, une très belle étape de montagne. Foil, Londeville, ça ouais, c'est un des classiques hein, avec un. Paire sourde, voilà, donc ça c'est quand même. Non, c'est même pas paire sourde. Si, c'est paire sourde. Non, c'est pas paire sourde, ça, c'est le. Non, c'est le port de. Port de Balès, je pense. Code de paire sourde. Ouais, non, c'est pas paire sourde en fait. Bref, alors catégorie, après suivi des. Mais bon, ça finit en descente encore une fois. Bataille de montagne, mais là, leur catégorie est trop loin, beaucoup trop loin, il est à 50 bornes de l'arrivée, ou à 30 bornes de l'arrivée, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est une étape typique du Tour de France, quoi, voilà, il y a d'énormes cols avant, et ça finit en descente, enfin, sur du plat, quoi. 10ème étape du sprint, 11ème étape, une belle étape de vallon. Ouais, là, franchement, il y a des points à prendre, enfin, des petits points à prendre, et puis surtout, une belle arrivée qui pourrait plaire à Joachim ou à Bettencourt. Nouvelle arrivée au sommet, donc à Sestrière. Petite côte, mais avant il y a un beau col de hors catégorie. Donc là il faut absolument faire le forcing ici pour ensuite se récupérer dans la descente et puis après bah, gérer la petite montée. 13ème étape, col de Galibier. Là par contre, ouais, là c'est 163 km. Un col toujours en deux parties. Un col de Galibier, ça c'est très intéressant. Un contre-la-montre aussi en montée, excellent. 30 km, hein. Chamrose, bah, c'est celui qu'il y avait eu cette année, hein. Enfin l'année passée. 15ème étape, ouais, bon, encore une fois, un superbe col ici, mais ça finit en descente, donc c'est bof, c'est moyen quoi. 16ème étape du plat, ouais, s'ils veulent, bah, genre, encore une fois, pour moi c'est du vallon, mais bon, ils mettent ça en plat. 17ème étape du vallon, là pour moi c'est du pur vallon. C'est clair, là par contre, ça c'est ce que j'aime. Ça finit légère descente, mais bon, le plus dur sera à faire ici. Avec là, excellent. 18ème étape du sprint, alors voilà, pour moi ça c'est plus du sprint, mais bon. Qui finit sur une petite côte, et là qu'elle s'en va long. Bon, on va comprendre. 19ème étape, ok, bon, voilà. 20ème étape, 3 Créteil, donc c'est du plat, et ça finit sur du plat. Voilà, donc il y a 3 arrivées au sommet. Je vous montre rapidement les étapes. En tout cas, ça peut être un tour très bon pour Joachim Rodriguez. Ouais. S'il y va. Ou Carlos Bettencourt, hein, voilà. C'est les deux. Je vous rappelle qu'il avait fait deuxième sur ce Tour de France. Vainqueur du Giro, bien entendu. Et enfin donc, la Vuelta. On commence par un contre-la-montre de 26 km tout plat. C'est un i. Ouais, ça c'est un nom individuel, ok. Ensuite, du petit vallon. Du plat, mais pourtant il y a quand même deux, trois côtes. Non, une première catégorie. Du plat. Encore un contre-la-montre. Lui, il a 30 km de contre-la-montre par équipe. Ok. Une arrivée au sommet, la 6ème étape, Sierra Nevada. Excellent. Nouvelle arrivée, bon, c'est pas un sommet, hein, c'est du vallon, mais bon, voilà. Ici, ouais, du vallon, ouais, bof, ouais, c'est pas terrible ça. Là, y a rien en fait, il y a juste l'arrivée qui est en côte. Ici, ça finit en descente encore une fois, là c'est du plat. Deuxième arrivée au sommet, pour la 12ème étape seulement. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées au sommet hein, cette année. Hein. C'est pas terrible tout ça. Troisième arrivée au sommet, le lendemain, avec deux beaux cols de première catégorie. Du sprint, là c'est du vallon, ouais, ça. C'est pas mal, mais on finit encore en descente, c'est un petit peu chiant. Gros contre-la-montre, là, individuel, en vallon. Là, celui-là va être tiré, par exemple, je pense. Bon, il y a beaucoup de descentes, donc c'est un peu chiant pour Joachim Rodriguez, qui n'est pas tiré en descente. Mais bon, ça grimpe pas mal, apparemment. On verra bien. 17ème étape, voilà. 18ème étape, 4ème étape de... arrivée au sommet, plutôt. Là, c'est une étape qui peut faire très mal, par contre. Mine de rien, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 cols avant l'arrivée. 10ème étape... Ça n'arrive pas au sommet, presque. Ça finit dans la légère descente. Et 3 cols de première catégorie, donc c'est pas mal non plus.
La 20e étape, c'est du sprint. Et la 21e, c'est du sprint habituel. Il faut remonter les étapes. Mais globalement, ouais, c'est pas des... Enfin, ce sont des tours réalistes, hein, voilà. Ce sont des tours plutôt réalistes, hein. Ce sont pas des tours extrêmes, hein, c'est évident. Mais bon, ce sont des tours qui peuvent convenir aux capacités de mes coureurs, en tout cas. Par qui vais-je passer, par contre, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je vais placer, je ne sais pas du tout. Il y aura sûrement Joaquim Rodriguez, enfin Betancourt sur le Giro, Joaquim Rodriguez sur le Tour de France et la Volta. Je pense ça, ouais. Et puis les autres, bah, ils seront là pour aider, bien sûr, ils seront là. Ils seront là pour aider. Donc ouais, je pense que Betancourt fera le Giro, ouais. Et que Joaquim Rodriguez fera le Tour de France, et puis la Volta, ce sont ceux qui sont en forme, comme d'habitude. En espérant que Joaquim le soit, bien sûr, pour faire le doublé. Voilà, voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo de présentation pour cette nouvelle saison qui commence. Donc là, je ne sais pas trop ce que je vais vous montrer les prochaines vidéos, il y aura... Je pense que je ferai juste un bilan. Et on se retrouvera directement pour le Giro, en fait, donc le Giro qui commence le... Voilà, commence le 4 mai. Je pense qu'on ira directement au Giro, en fait. Car il y a déjà... même si je fais deux étapes, même si je fais deux étapes à chaque fois, ça ferait quand même 10 vidéos. Ça fait 30 vidéos, donc 30 vidéos, ça fait 30 semaines. Donc voilà, donc 30 semaines, ça fait quand même 7 mois, quoi, on va dire. Donc, voilà. Donc, j'aurai pas le temps, vu que je fais une vidéo par semaine maintenant de PCM. Si on veut que ça se termine pour le PCM 2014, j'aurai pas le choix que de vous montrer que les grands tours. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc je vous montrerai que les trois grands tours. Il y aura des fois trois étapes, des fois une, des fois deux. Ça dépendra de l'intensité de l'étape. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez envie de voir ces trois grands tours. Que vous avez envie de voir cette nouvelle saison qui sera beau. Moins détaillé que la précédente, car j'ai décidé, avant je faisais une vidéo tous les jours quasiment, donc j'avais le temps. Maintenant j'en fais une par semaine sur PCM, car il y a d'autres choses à montrer, entre le FIFA, le Football Manager, DayZ, tout ça, Assassin's Creed. Bref, en tout cas, bah, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Je l'ai fait sur le Bio Pro, mais je vous le fais maintenant sur PCM. Bonne année à vous, tous mes voeux de bonheur pour vous. Et ben je vous dis donc à la prochaine, rendez-vous donc pour le Giro, la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, et je vous dis ciao, bye bye.